t'amuses, hein. Photo là.
Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à mon unique spectateur du moment. Bienvenue dans sur ce stream qui va être dédié à la découverte des premières heures, une heure et demie, deux heures peut-être, de Lost Judgment. Ah, tac, il est là, sur Xbox Series X. C'est autre que la suite de Judgment, déjà sortie sur PS4, PS5, Xbox. Stadia et tout le tout-team. Donc on va continuer à suivre les aventures de Takayuki Yagami, l'ex-avocat devenu détective privé, et qui cherche les chats perdus du quartier de Kamurocho avec son coéquipier, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave. Donc, occasion particulière parce que j'ai allumé la Xbox Series X pour la deuxième fois ce soir. La première, c'est quand je l'ai acheté exprès pour ce jeu, donc j'ai uniquement configuré. J'ai pas de jeu qui m'intéresse là-dessus, à part Porta. Mais je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Donc là, hop, on a installé le jeu. On a eu droit à une mise à niveau spéciale pour la Series X. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Peut-être des textures. Peut-être un espèce de patch de performance. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je découvre. Je ne l'ai pas lancé. J'ai lancé Judgment pour avoir une sauvegarde au cas où ça octroie des bonus au lancement de la suite. Mais on verra si c'est le cas ou pas. Donc pour l'instant, on est sur Xbox. Alors, un setup un petit peu particulier. Salut Dom, comment ça va ce soir? J'espère que ça va. Je vais faire un truc. Voilà, je vais faire ça. Ce soir, voilà, c'est mieux pas. Ah non, j'arrive pas à streamer sans l'overlay. Bon. C'est un peu particulier, je vais streamer avec l'overlay. Donc, peut-être qu'il manquera des petits détails. J'ai pas eu la foi de créer un setup où je puis jouer dans mon canapé tout en streamant, patati patata. On verra, j'ai reçu le jeu aujourd'hui, donc là c'est vraiment un peu en mode à la zob. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon le jeu va être excellent, j'en suis convaincue. Donc on est parti, écoutez, on va lancer le jeu. Alors, dites-moi si le micro est trop fort, pas assez fort, si le son du jeu est trop fort, pas assez fort, surtout. S'il n'y a pas le son de la rue dehors, parce que j'ai laissé ouvert pour le chat. Dites-le moi et on verra comment ça se fait. Bah écoute, moi je découvre. Hein. Là, c'est soirée découverte. Je n'ai pas encore lancé le jeu. Voilà, c'est vraiment 100% découverte. Il n'y avait pas de démo, j'avais pas. Voilà, j'ai pas testé en early access la version des maths. Je joue sur la version physique, la version presse qui est là. Donc c'est 100% découverte, je n'ai rien vu, je n'ai regardé aucun trailer, aucune vidéo de gameplay, aucun stream, rien. Donc là, c'est... voilà. On arrive en mode totalement candide. Ah ben on est parti. Ah, et donc là, on tente... Alors, le petit défi alors, de l'année, on va dire, c'est de débloquer la seconde emoji d'abonnement. Donc si vous avez un abonnement, vous avez 4 euros qui traînent. Un petit abonnement pour un mois, ça maintient la lumière allumée sur le site. Ou un abonnement Amazon Prime, peu importe, on prend tout, hein, on n'est pas rapia. Texte en français, les voix en japonais, bien sûr. Hein. Ah, Kena, il paraît que c'est très très bien, Kena. Très classique, mais super joli et très agréable. Salut Crayon Laser, tu arrives pile au moment où on lance le jeu, comment ça va? Évidemment, je laisse tout, hein. L'intro, toutes les cinématiques, hein, c'est découverte, donc... La forme, oui, en forme de quoi? Option graphique. Bah, standard. Hein. Bah, on va être fluide. Ah, c'est rare! C'est rare! Vibration avec, oui. Contrôle caméra verticale, je pense que je changerai parce que je sais jamais quoi et quoi. Mini carte, oui. Sous-titré, le sang normal. Zone d'affichage du jeu, moi c'est pas bien. On va rester en stéréo parce que je suis sur mes enceintes de PC pour l'instant. De quinconce, c'est top de quinconce. J'ai testé en épi et en parallèle et c'est nul. En quinconce, c'est mieux. Bon, bah voilà, on va rester comme ça. Donc, licence, on s'en fout. DLC, pas encore. Galerie photo, on verra. Regardez-moi ça.
Il y a un petit chat sur l'écran. Est-ce que c'est pas du bait pour les streamers youtubeurs qui a un petit chat? Pardon, petit chat à l'écran et petit chat évidemment parce que petit chat sur le bureau. Bonjour Miyu. Donc serait petit chat. Un de ces quatre, je mettrai une 4cam en permanence sur Miyu. Comme ça, ce sera. J'aurai des milliards de spectateurs juste grâce à ça. Allez, nouvelle partie. Je sais pas si c'est un succès pour finir le jeu en difficile. Bon, je vais me faire attendre. C'est pas un jeu où les combats sont super. Ils sont très présents, mais c'est pas, je pense, satisfaisant particulièrement de les faire en difficile. Donc je vais mettre en normal. Voilà. Donc, pour info, on est sur. Le jeu est compatible Xbox One, Xbox Series X, et moi je joue sur une Series X. Donc, raison pour laquelle j'ai eu droit à une mise à jour de 40 gigas. Une mise à niveau spéciale Series X, j'imagine, pour la résolution ou je sais pas. Donc surtout, hein, dites-moi si le son du jeu est trop fort ou pas assez fort par rapport à mon micro. C'est vraiment une config à l'arrache. Ah bah parfait, si le son est nickel, super. Ah, le bon framerate, hein, ça change la vie quand même, hein, pour Lolo. Comparé au premier. Eh bien, bonne tâche ménagère d'homme. Tu as raison, profiter, cumuler un petit peu. Paraît tranquille. Hein. On est tous très occupés dans toutes des vies de fou. Je sais pas si j'ai coché le fait que c'était un contenu pour adultes ce soir. Nippon no keiji saiban wa sono 99.9% ga Judgment, déjà le premier était bien plus gore que l'habitude dans les Yakuza. Et c'est dark, hein, c'est bien plus dark. Hein. Même dans les thèmes abordés, etc., c'est plus. C'est plus mature. J'ai peut-être coché le. J'en profite que c'est le. Un petit résumé. Coché le fait que c'est pour adultes. Enfin, on va faire la patrouille. Hein. Ah, le dernier donjon, la Millennium Tower finale. Hein. Faut un peu grinder hein, pour y arriver. C'est pas infaisable hein, cependant. J'ai un petit peu des. Des petits soucis de capture. Hein. Ça fait ramer mon truc, on arrête ça. Tant pis pour la patrouille, on restera en contenu violent sans l'avertissement, tant pis.
J'ai pas fait par contre la dernière Minum Tower où il faut être niveau 99 pour accéder parce que c'est vraiment trop de grind. Oh, c'est le seul succès qui me manque. Ah ouais, quand même, donc t'as bien accroché au jeu, quoi. C'est un plaisir, hein. Mais déjà, juste... Minum Tower, déjà, j'ai dû mettre 100 heures hein, pour arriver au bout. Je crois que je suis à 105 heures hein, de Yakuza 7. Là, tu vas arriver à 200 heures, quoi. Le Gothi, rien que ça. Ah, mais ça, c'est la puissance de Yakuza. C'est pas mon Gothi, moi, Yakuza 7. Je pense que j'ai préféré. Bah, non, c'est Hades. Évidemment que c'est Hades. Ah oui, Hades, c'est très différent. J'ai passé aussi 100 heures sur Hades. Hein. Finalement. Hades, tu commences tranquille. Ah, c'est cool, un petit roguelite. Oh, regarde, on voit les dieux de l'Olympe. Et au bout de 50, tu dis oh non, je suis bisexuel. Tout le monde est tellement sexy là-dedans, c'est terrible. Salut, mérovingien. C'est normal. Hein. C'est normal. Les dialogues statiques comme ça, c'est toujours le minimum vital. Syndical, même. Les cinématiques, les vraies, sont autrement plus réussies. Après, malgré tout, Hades, je trouve que les mecs sont quand même plus sexy que les gonzesses. Ah, Shenmue 1 ou 2, tout de suite. Tout de suite les exagérations. Alors, une règle dans les Yakuza est assimilée. Un personnage a une tête de sale con, c'est que c'est un sale con. Ah, c'est très très basique. Hein, ils le portent sur leur visage. Ah, la filature. Mérovingien, de toute façon, c'est la pire des dynasties, les Mérovingiens. Mais bon, c'est notre petit troll du chat, ça me dérange pas. Pittoresque, c'est une map d'animation. Petit rendez-vous. Y dans le décor. Oh là là, vite! Pom 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 pom. Regarde mes textos. Restons naturels. Sifflotte, sifflotte, sifflotte. C'est bon. C'est bon, parti.
Makelouche, hein, il se méfie quand même. Hein. Ah mince. Bah on descend. Tu veux, ouais. Encore un méchant qui trompe les femmes et qui exploite pour qu'elles finissent dans les maisons closes. Kaito-san, hein. Pas stalker, c'est son métier. Détective privé, attention. Alors, les missions. On peut prendre des photos avec certains critères. C'est parti. Magnifique photo. Alors, comment on fait? Oui. Et ah, pareil. Magnifique. La photo est parfaite. Kaito-san. Kaito-san no keitai ni taishousha no shashin okutta yo. Kakunin yoroshiku. Oh, todoite ru zo. Mais oui, évidemment qu'elle est parfaite. Les critères sont remplis. Dare nanda? Sore wa kore kara saguri o ireru toko. いや、でも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。だって、こうすけ先輩、最近全然サークル来ないから。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけて、メッセージ送ってなかったら会えてないですよ。ごめん、最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。 Ça vaut pas être forcément épatant techniquement pour tout ce qui est PNJ secondaire, hein. Mais dès qu'un personnage est un petit peu important, le visage est toujours quand même vachement réussi. Vraiment, la grande force des Yakuza et des spin-offs, hein. C'est que bon, voilà, elle, elle ressemble pas à grand chose. Mais lui, c'est expressif, il y a quelque chose dans le regard. Il n'y a pas vraiment d'un canivalet. C'est vraiment la grande force des Yakuza. Je pense que si on met Shenmue 1, 2 et 3 dans la même pièce, Shenmue 1 et 2 détruisent Shenmue 3. Ça, c'est un trou noir, un The Vortex. Le CD se fait dévorer par les GD-ROM. Lalalala. Je me fais faire avoir comme une grosse bleue. C'est bon, je suis parti là, lâche-moi la grappe. Hein. Là, il m'a vu. Ah voilà, échec. Voilà. Ah bravo. Oui, bah c'est bon. Faut être plus prudente, hein.
Salut Zeros. Comment ça va? Reste à distance, hein. Oh là là, il a enjambé les rambardes de là, mais sans faire exprès quoi. Arrête de te retourner. Téléphone, je regarde mon téléphone. Ok, c'est bon, il est reparti. Bon, ça va. Tu peux être enrhumé, t'as le droit, hein. Non, maintenant il se planque tout seul. Dans le 1, il fallait appuyer sur une touche pour se planquer. Et maintenant, en fait, il se planque tout seul. On est près d'un véhicule, par exemple. Qui se planque tout seul quand on est derrière un mur? Ah, il est parti. Non, il est où? Il est où? C'est bon, c'est bon. Pas très convaincu par la nouvelle filature pour l'instant. Alors, c'est pareil, un indice chez vous. Mec à cacasson égale mauvais garçon. Votre soirée crayon laser, à la prochaine. Ah, bagarre. Oh, Yagami. Alors, la grue, c'est pour l'esquive quand on affronte plusieurs personnages à la fois. Il y a un autre style qui est le tigre, hein, qui est plutôt adapté au combat en 1 contre 1. Ah, c'est nouveau ça. Le pas chasser, c'est un nouveau mouvement. Maintenir RB, puis A pour un pas chasser dans la direction dans laquelle vous incline LS. D'accord, danseur céleste. Appuyez sur A en maintenant LB. Ah, d'accord, c'est ça. Là, on va se passer plutôt correctement. C'est pas rate maintenant. Ah, la main du ruban rouge, c'est un peu des bras cassés quand même. Hein. Plus que la main du ruban rouge. Hein. Ah, regardez ça. Allez, youdou! De nouveau ça, l'esquive. Attaquez les gars. Ah, raté. Ah, magnifique. Oh, joli. D'accord. Ah, c'est tigre et dragon, en fait. Hein. Je pense que j'ai pas encore de coups pour exploiter ça. C'est tout? Ah, elle est nulle! Ah, les gros nuls! しとかないと。
Sur Xbox Series X, Mérovingien. Prendre en photo la somme qu'il retire. Attends, le distributeur. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me vois plus, tu me vois plus. Tu me vois plus! Mais c'est pas possible. Mais je me suis pas encore fait avoir. C'est cross-gen, on va dire. Le jeu est compatible Xbox Series Xbox One et Xbox Series X. Cross-gen et c'est optimisé pour Series X. Oula, c'est quoi ces pixels là? Souvent à la capture. Hein. Avoir quand même deux fois au début du jeu, c'est un peu la honte. Hein. Je sais pas comment recharger ma jauge de. Je regarde mes SMS. Ça c'est la focale, d'accord. Et on zoom, on zoom, on zoom, on zoom. Je l'ai. Je l'ai. Parfait. Ça à lire, j'ai appris. Kaido-san, atarashi shashin okutta yo. Kakunin yoroshiku. Oh, todoite zo. Et donc c'est nouveau Dragon Engine, donc normalement je peux mettre le Dawa dans, le, dans la boutique, hein, dans le combini, faire tomber les paquets de chips et les canettes et... c'est vrai que au tout début du stream que en fait, je vais acheter la Xbox pour, cette, pour ce jeu, notamment, parce que les GPU PC coûtent beaucoup trop cher actuellement. Et en fait, quand je l'ai juste déballé pour l'installer, et ce que j'ai fait, c'est transférer mes sauvegardes de Xbox 360 sur le cloud. Et j'ai testé vite fait et ça marche bien. Ça marche plutôt pas mal. C'est quand même super de, voilà, de pouvoir ranger ces vieilles consoles pour jouer aux anciens jeux. Ils sont pas tous optimisés, mais on peut quand même jouer à la plupart des jeux sur la Xbox Series X. Oui, et après maintenant. Les consoles, c'est des PC, hein. Je pense que ça demande, enfin, compliqué de dire ça, mais ça demande beaucoup moins de travail qu'avant, de les rendre trop compatibles. C'est vraiment plutôt une façon de faire la différence par rapport à la clientèle potentielle. Toi, tu fais des remakes HD que tu vends à plein pot. Toi, tu les rends compatibles, voire optimisés pour la nouvelle console. Ouais, je suis pas sûr que ce soit tellement handicapant le SSD machin. Là. La VR, par contre, oui, effectivement, si tu veux à tout prix faire de la VR, t'as pas le choix, quoi, c'est PlayStation. En tout cas, sur console. Moi, ça m'intéresse pas, tout ce qui est exclusivité Sony, j'ai pas d'affect particulier envers elle. Je partais sur une PS5 un peu par habitude de la PS4 là où il y a un Persona qui sort, mais bon, c'était compliqué
d'acheter une PS5. Hein. Autant quand tu t'abonnes aux alertes, hein, genre de hamster joueur, hein, quand elle pop, t'as 2 minutes pour acheter une Xbox. Et PS5, quand j'essayais, enfin, au bout de secondes, donc, voilà. Ça peut être un bot, littéralement. Donc là, comme en 2 essais, j'ai réussi à l'acheter. Je me dis, bon, on prend la Xbox. De toute façon, avec la politique de Sega mise à jour, ils vont certainement sortir le prochain Persona ou les prochains spin-off de Persona 5 partout. Donc il y a peu de chances que je rate des jeux qui m'intéressent. Au pire, j'ai des potes qui ont une PS5. Enfin, j'ai un pote qui a une PS5, on pourra échanger, on se débrouille. Recherche active. Ah, j'ai déjà eu ça. Ah, 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 ah. Je connais pas assez, mon ami. Où je pourrais passer ? Un point d'accès. Par en face, peut-être ? Cinquième étage. Tant que cinquième au Japon, c'est 4 en fait. Parce que c'est 1 le rez-de-chaussée. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah la porte peut-être. Non, c'est pas ça. Par les meubles d'en face, peut-être. J'ai pas l'impression. Par ici, là. Un plat. Ah, y a rien à faire, hein. Mais je suis nul. Ah, y a un truc là. Ah non, c'est pareil. Ah voilà. Les conduits, évidemment. Passer sur le côté. Voilà, parfait, regardez. Je vais pas grimper par là. Ici. Par là alors. Pas de disque. Logique pourtant. Sur le conduit, il tombe bien, mais je vais pas l'utiliser, quoi. C'est quand même dommage. Hein. Même fort dommage. Hein. Eh, mais ça, il peut pas. Laisse pas faire. Hein. Je vais contourner l'immeuble. Est-ce que je peux partir carrément dans la rue?
s'écarter un peu. Non. Ah, mur invisible. Pas par là. Horrible, hein. Peut-être l'immeuble d'en face, donc, je disais. Non, j'ai pas l'impression. Si tu as une idée, allez-y. Hein. Pas aller plus loin. Ah, c'est aussi bloqué, c'est forcément dans l'allée là. Ah là! Je peux grimper. Il y a des flèches là. Pas que. C'est pas anodin ces flèches. Ah, il m'en a pas parlé du problème de drift. Hein. Mais sans rire là. Salut Sylvain! Comment ça va? Ah non bah non, j'ai déjà vu. Ah ça m'agace! C'est quoi le truc là? Il y a des flèches pourtant. Je peux grimper ou pas? Je peux pas grimper. Bah écoute, bah ça va. Je découvre Lost Judgment et je galère à la mission tuto de filature et d'inspection. Et j'ai un peu honte du coup. J'ai pas trouvé ce qu'il faut faire! C'est nul. Enfin non, je suis nul. Hein. C'est le tuto. C'est le tuto. C'est la première filature sur un sujet totalement random et je ne trouve pas ce qu'il faut faire. Ça me. Bon, je suis censé, voilà, accéder à ça. Bon, ah, c'est ce que me dit le jeu. Oh là là, c'est un appel du pied. Voilà, je suis censé trouver un moyen de grimper sur les conduits, fouiller le bâtiment. Ah putain, je peux rentrer là? Non. Alors. Peut-être qu'il y a une autre porte que je pourrais. Courant. Ah, attends. Oh, c'est vache ça! Ah, ah, franchement, franchement, combien de fois j'ai pointé le climatiseur? Sérieux. Oula, c'est Mirror's Edge. Ah, c'est pour ça les flèches. Ouh, du parcours, trop bien. Pour les Legends. Alors, là qu'on joue à Zelda. Hein. L pour devoir prendre, et ma B, L, la C. Alors, c'est... Yo, Tabo. Donatru. Okay. Nanda Zuria. Koski wa donatta. Masaka miushinatte ne. Ima chotto te ga hanasenai kedo. Tonikaku daijoubu. Attends, par où fallait passer déjà? Ah, par où fallait passer? Par en haut? Bon, je vais me poser. Pose. Alors, et on grimpe. Allez, c'est parti, Yagami, tu grimpes. Pour le tuyau. Là, jusque là, après je descends.
Minou! Salut Minou! Décidément. On est très team chat chez la team Yakuza. Déjà, il y a dans Yakuza 6, il y a des missions pour trouver des chats errants et les ramener d'un un éco-café de Kamurocho. Et dans Judgment 1, il y a tout un truc pour prendre en photo les chats qui traînent dans la ville. Ah, rebagarre. Domo, otsukaresama desu. Elle est partie, la mienne. Koizu shitteru ka? Balcon, je sais pas ce qu'elle fait. Ore wa sono Kosuke no dachi nan desu kedo, chotto hagurechatte. Mais Yagami, c'est un petit peu un chat en vrai. Il a un peu caractère de chat. Soya aitsu, kyou mo kitemashita yo. Majide mainichi kori ne tsu ga. Nara gokai no hazu daro. Nande konna toko ni in da yo? Desu yo ne. Sore ga ore ni mo yoku wakannakute. Tokoro de Kosuke wa gokai no dono hen ni? 階段上がって一番奥。式の間だろ。シャスコップデフェ。ああ、そうでしたよね。失礼しました。ではこれで。あ、スクレム。さ、パスクレム。おい、待て。お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろ。ああ。あらあ、パトラビーだ。ケルティップドクラブスコネ。あ、シーナどっかに落としたのかな。クラブドゥ。あ、ジョギ。クラブドゥ、ショギ。あ、困ったな。クラブドゥ、ショギ。決めて、クスキュラット。 え、そう、のれでギブロンをやってたけれです。会員証なんてねえんだよ。てめえ何者だ?どっから入り込みやがった?ああ、マラ。マラマラマラマラ。やってくれんじゃん。クラブBDSM、ジョナト。ジョナト。コウスケ君はそこで何してんだ?うるせえ!黙ってけ!あ、クラブジュド?あ、クラブでダンスでサロンペテトル。ああ、タイガー。 Attaque chargée. Ok, d'accord. C'est parti. Pour activer le. Ah oui, d'accord, mais c'est les hit action en fait. Ok, on a. Ouh la vache. Ah c'est parti. Oh le contre. Allez bim. Ouh la violence. Allez, une arme. Et coup de chaise. Allez. Allez, bim. Oui, c'est bien Club BDSM, hein, ils aiment prendre des coups. Tu me cherches toi. Ouf. Ah, tu peux terminer. Faut les finir. Qu'est-ce qu'on a comme objet ici? Un coup de chaise mon gars, tu veux un coup de chaise? Vas-y un coup de chaise. Voilà. Oi Tabo, daijoubu ka? Ah. Imamada Kosuke-kun no haitte. Non, il leur pète à chacun la jambe 4 fois. C'est bien plus fun. Nanka yabai toko mitai da ne. Kosuke-kun wa 5階の式の間ってとこにいる。式の間?
カイトさん、心当たりある？そりゃ鳥羽のことじゃねえか。鳥羽は他に式っていうこともあんだ。式の間って隠語のつもりかもな。そっか。Après, t'as aussi des actions EX, hein, qui sont radicales, hein. Dans Yakuza, pour faire manger des clous aux adversaires. Avec des coups de vélo. Des coups de katana. Non létaux. Hein. Les coups dans le bide sont non létaux, toujours. Hein. Leur tirer dessus. Leur écraser le coccyx contre des bides d'amarrage. Les pousser contre une voiture aussi, ça marche bien. Pas mal. Je pense qu'ils font du catch clandestin. Avec des slips à franges et tout. Pas grave, j'aime me battre. Alors, ah non, faut pas se battre en fait. Pas de 10, pas de la haute. Grosse vibe Headhunter, hein. Et que le connu sur Dreamcast, hein. Super jeu. Oi, juste Iga. Dans ce bâtiment, il y a un entrant qui est entré. Faut que les autres gens le disent. Oui. Faut pas que je te laisse appeler la lettre. On va t'intercepter avant, mon gars. Enfin, j'espère. Hein. Ah bah non, d'accord, on va juste... Juste être fufu. Par la fenêtre ? Ah, par là. D'or. C'est l'autre mec qui a la clé. C'est la clé. Le petit chat, en fait, c'est la mascotte du jeu en VR, hein, du premier. C'est le jeu de loi en VR. Hein. Les dés étaient en forme de chat, un peu. Ouh, la porte, ouvre la porte. Vas-y. Allez, achète la serrure, c'est un mini-jeu qui est tout bête. Argent facile.
Alors, c'est vraiment, c'est hyper téléguidé, hein. Ah mais non, j'aurais dû buter. Ah là là. Ah, je me suis fait allonger quoi. Par où? Ah ça va. Bon, c'est pas une réussite hein, ce début de partie. Hein. Je pense que je vais un petit peu ralentir le stick droit, ça va trop vite. J'ai passé l'âge pour. Naruhodo ne. Et voilà, take down. En douceur. Voilà. Permettre de fouiller un petit peu. Ah, de quoi faire du craft certainement pour les drones, j'imagine, s'ils reviennent. Success. Laborieux. Oi, nani shiten da? Hayaku doa shimero yo. Ah, c'est les fameux jeux chinois auxquels je comprends rien. Koi Koi. Johan. Johan, c'est... Je sais pas si c'est pas du... Y'a pas du Johan dans Shenmue 2 à Kowloon. C'est un bon moyen de se faire de l'argent très facilement puisqu'on avait l'hôtel qui était juste à côté. Et donc il suffisait d'aller à l'hôtel pour sauvegarder, faire une partie, gagner du pognon, pour sauvegarder, et quand tu perdais, on lançait la partie. C'est la merde. N'est qu'un escroc, Kosuke. Un peu comme Mathias, ton top chef. Escroc. Refilé ? Non. Tac là. Kaito-san, ici c'est le pi. Mon rapport. Mon rapport à la meuf. Ah non, on va le tabasser, cool. Ta race. T'as perdu ta race, mon gars. Ha ha ha. Même pas un gigolo, les gigolos, ils avec des femmes plus vieilles et qui sont riches, hein, donc c'est un accord. Hein. Lui, c'est juste une petite chure de mouche, quoi. Ah, pardon, spoiler pour Yakuza. Spoiler. Faut faire Yakuza de 0 à 6 et Yakuza 7 avant The Judgment. Voilà. C'est comme ça. Votre exhaustif, hein. Une vraie discipline, hein.
しも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。Je fais du karaté, mec, alors c'est bien. どうなっても知らねえからな。J'ai foncé, mon gars, t'as pas aidé. Oh, un vélo. La meilleure arme du jeu, le vélo. Allez, bim! Ouais. Non, c'est sympa. De toute façon, Judgment, on sait que c'est bien. Pas de surprise. Donc, du coup, voilà le. La prescription, hein, c'est Yakuza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Judgment, Yakuza 7 et Judgment 2. Un petit coup de mou, un petit Yakuza Dead Souls pour le fun. Mais à petite dose, hein. Attention à la posologie. T'as dit, bon voilà, ça spoil un petit peu la Yakuza 7, très légèrement. Mais Judgment, ça peut se faire. Même ça va un peu au Yakuza. Elles hein. sont carrément indépendantes. C'est même pas un vrai spin-off, parce qu'il n'y a pas de personnage tiré de Yakuza. Déchi, non, il n'y en a pas. Il n'y a que la ville. Hein. Donc, niveau intrigue, ça spoil rien. Pas grand-chose d'important. Si Kiryu vous intéresse pas trop, parce qu'il est un peu trop. Un peu trop rigolo, un peu trop sérieux, et que vous n'êtes pas trop combat au tour par tour dans les RPG, Judgment, c'est une bonne alternative à Yakuza en général. Alors le boost EX. Ah, avec ça on peut tout cancel. D'accord, ok. Là, je consomme moins de jauge, X en faisant une hit action. En mode boost. Je prends encore un vélo. Non. Oh, sympa la glissade, yeah. J'ai le petit. Oh une merde. Allez. Oh. J'ai pas encore intégré correctement le disque. La vienne. J'ai le temps, je pense. Je pense qu'il y a bien 50 heures de jeu, donc j'ai le temps de. Attendez ça. Et allez, la poursuite maintenant. Normalement, j'ai pas besoin d'outils. Ah si, obstacle. Mais bon. C'est eux et tout. Qu'est-ce que t'es? Ah si. C'est ça. Non. Ah, fallait sauter! Ah! Fallait esquiver le cône de chantier, voilà. Ah là là, regarde-moi ça, quelle classe! Ah putain, mais. C'est encore vautré. Même poursuite que dans le premier. Hein. Je suis pas con. Allez mon gars.
grave. Nanda yo, Kosuke-kun. Mou owari. Omae ni akireru na, Tabo. Bengoshi no kuse ni, kekkyoku tei dashite sumashi chimau. Bengoshi? Uso tsuke, doko ga da yo? Yabami-san te, tantei ja nakattan desu ka? Hongyo wa tantei da yo. 弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる。今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、康介君。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。おお、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、コウスケ。ちょっと、マジかよ、あんたら。こんなのやめてくれよ、なんか誤解してるって。コウスケ君。ねえ、聞いてくれ、ユウコちゃん。俺、何もしてないからさ。てか何なのこの人たち。ユウコって誰。私ケイコだよ。え、あれ嘘でしょ。もう信じらんない。コウスケ君さ、ケイコさんにかかってる店の請求。あ、traduction est très bien aussi. あれ、 était vraiment excellent. C'est de la bonne VF. Avec un langage un peu fleuri parfois, c'est bien adapté, j'aime bien. Vraiment.そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はあ、バカ言ってんじゃねえ。ふざけすぎだろ。おら、女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。よく言ったぞ、タボ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる。え、花から偽ともグルなんだろ。バレバレなんだよ。ムービー、あ、それ、それはパシロワン。そんなんでごまかせると思ってんのか。あ、1 était assez craspec aussi, il y a une sorte de meurtre, yakuza, coup de pic à glace dans les yeux. 誰なんだ。ça rigolait pas. カムロ町のヤガミ探偵事務所だ。それって。Du coup, ma question, c'est à quoi le crossover avec Phoenix Wright? だから。C'est logique. Yagami Tante Jimusha. J'ai eu un petit clin d'œil à Phoenix Wright dans le premier. C'est assez marrant de croiser un avocat concurrent qui soit l'archétype soit de Wright, soit de... Ah, comment s'appelle l'autre ? Antara, oubliez son nom, à son rival. Tant que j'ai pas joué. D'accord, Dosta. Chinamini Oremo, Mokasha Tojokai no Ningenda. Mo Honkega Kaisan Shimatanoni, Naniga Tojokai da yo. D'accord, Kaisan Suruma de Tojokai Nitastona d'Aste. Nara, Tada no Moto Yakuza Janika. Miriam Tarashku Diamond Chiratska Seate. Moto demo, Aitewa Yakuza Nandesione. D'accord, Nandeska.Je préfère le jeu, hein, je découvre aussi. Mais attention, potentiel spoiler. Et c'est bon, je pense qu'on en a entendu parler, mais je sais pas. Je préviens, peut-être que. Voilà, on rentre dans l'histoire, donc peut-être qu'il y aura des spoilers à partir de maintenant. Faites ce que vous voulez. どうした、コウスケ。あ、ええ、店長、今は店ですか。まあな。どうした。Non, je pense pas, pas de spoiler. Non, y a pas de. お前最近いい調子だもんな。いいえ、そんな。違うのか。Accélère un peu parce que. じゃあ例のケイコって子はあれはどこで売っても稼げるぞ。最悪。でも店長。
あの、ああそんなの決まってんだろ。で、延滞料が足りねえとか、そんな理由つけて、そのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前。Et ce plan d'un sang gros des maisons creuses. Hein. Tu te fais. Des potes le jonc. Pour faire un peu imagé. この声、よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。これ超やべえ。気の毒だけど、やっぱコウスケ君は最初からグル。ケイコさんがいくら払っても。結局は風俗で働かされる。そういう計画だったんだ。あの、ケイコさん、初めは確かに仕事でした。でも、ああ、bien sûr、本当に君のこと、あの、もう、évidemment、évidemment。Plus de sac。ひとまずケイコさんには源田先生のとこ、あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。殴り込みって。行こうか、ケイコ。だ。Comment ça, le DLC sont... そっちですか。De sauvegarder. Genda Horitz. Disons quand tu passes à sa fenêtre, t'as des endroits peu accessibles. Chocho no Genda Sensei wa oyato mo ieru sonzai no hito de Kamuro cho no juunin ni mo nagai koto tayori ni sareteru. Genda Sensei. Game glauque. Il y en a moins maintenant, je pense. Dans les quartiers comme Kabukicho. Et c'est vrai que les salons. Salon de massage. Hein. Un peu à tous les coins de rue. Là, il y a une chaîne de salon de massage. On trouvera une photo à l'occasion. Et en fait, leur logo, ils ont pris, mais ils sont pas fait chier. Hein. C'est Sangohan, à la fin de Dragon Ball avec ses lunettes. C'est. Veut. Alors, Tango, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est là qu'on a les missions. Les missions qui débloquent des PA, les PA qui permettent d'acheter après des mouvements, des aptitudes, des coups. Bon, c'est Toto qui déroule là. Voilà. Consulter vos tâches, d'accord. Donc, hop, voilà. Quelles sont mes tâches actuellement? Donc là, j'ai des tâches. Affaire principale, affaire secondaire. Ah, ça c'est nouveau, un truc du lycée. Je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Kamurogo, ça se... Par exemple. Là, ben, c'est passé par endroit. Donc, à la salle d'arcade. Attention, spoiler sur les jeux qu'on peut faire à la salle d'arcade. Très bien. Donc la salle d'arcade, donc les Virtua Fighter 5 Final Showdown, donc voilà, donc on peut faire X combat, terminer le jeu, Dead Souls qui était déjà présent, dans Judgment 1, qu'est-ce qu'on a d'autre, Sonic Fighters, voilà, donc on va accomplir des objectifs, hein. Okay. Fighting Vipers, Motorhead, hein, qui est dans le 1, Super Hang-On, et aussi manger tous les plats de tous les restaurants, toutes les boissons. Notez qu'il y a Yoshinoya. Yoshinoya qui est une franchise de, je veux dire fast-food, hein, faute de mieux. C'est mieux que ça parce que c'est vraiment, c'est des, bon, on voit les plats. Hein. Ah, t'as du gyudon, t'as du riz, t'as des nouilles. Hein.
C'est pratique parce que c'est pas cher, hein. C'est à peu près équilibré. On mange chaud, on mange assis. C'est plutôt bon. Donc pour 5-6 euros, tu manges. C'est hyper pratique. Du coup, on va voir un peu tous les. Je vais pas aller dans le détail hein, parce que je vais pas trop me spoiler le début. Le Girls Bar est, à mon avis, c'est pas un club d'échecs. Vois qu'on a à nouveau le Mahjong. 1, 2, 3 clubs de Mahjong. Oh, faut que je fasse du Mahjong. Je suis obligée de faire du Mahjong, je suis désolée. Rhône, VR, c'est le casino. Ça, c'est le casino, je pense, clandestin avec des jeux. Il y a du golf, Zeros, il y a du golf. Peut-être qu'on ira au golf si on peut. Mission ville, c'est parler aux gens, c'est courir, c'est marcher, c'est taper sur les gens. Aptitude. Oh, il y en a plein. Ah, il distingue vraiment les différents. Pas mal ça. Donc j'ai combien? J'ai 1450 PA. Alors dans quoi je vais dépenser mon argent pour commencer? Est-ce que je vais m'acheter un manche-disque, hein? Peut-être. Hein? On a le temps, on a le temps. Je pense qu'en toute chose, je vais me faciliter l'émission de filature. C'est pas très intéressant. J'ai pas envie de recommencer 50 000 fois. On va faire ça. On verra après. On va se faire du golf. On va faire du golf et du mahjong. Voilà ce qu'on va faire. Gadget. Ah oui, d'accord, je me souviens de ça. Allez, donc non, je vais parler à Genda. Cette petite veste en cuir. Est-ce que j'aurai accès au Mahjong et au golf tout de suite? C'est pas sûr. En plus, il me semble qu'il n'y a pas de golf à Kamurocho. Je pense que le golf, il est dans une autre région à laquelle j'ai pas accès pour l'instant. L'arrêté anti-nuisance, hein. Par les euphémismes. Ah, そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。Ah, la meuf, elle le poursuit. En fait, il y a en gros trois niveaux de dialogue. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans le niveau 1, c'est le face-à-face, la façon visual novel. Hein. Pratique. Niveau 2, c'est ce qu'on a en ce moment. C'est le moteur du jeu, c'est du temps réel. Et c'est aussi un peu statique. Niveau 3, c'est les vrais, entre guillemets, les vraies cinématiques ultra chiadées, magnifiques, incroyables, et qui sont de plus en plus rares depuis que on a un nouveau moteur pour le jeu en fait. Les plus belles cinématiques, je pense qu'elles sont dans Yakuza 0. On a pas mal de précalculés, elles sont vraiment magnifiques. Même que la mise en scène est un peu old school, hein. L'histoire en elle-même est, en premier en tout cas, est tellement super. Hein. Ça compense, mais très 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 largement. L'écriture est top. Imazara, doucement, l'enquête est décidée, n'est-ce pas? そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、本当印象悪いですよ。
印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね。きっとやけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さてここからが本番だ。ご起立ください。ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです。おう、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあ、その時素直に罪を認めてりゃ、依願退職と示談で。Vraiment toujours à la mode chez les hommes d'âge mûr. 21 au Japon. 無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ。その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから。そろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。メタン、プロセッカセデブーシャー、ジベンペイポタサー。全く聞きやしねえな。じゃあ、ケイコさんのことお願いします。サンプロブレム。外にカイトさん待たせてるもんで。いや、じゃな。Ah bah allez, hop, l'ascenseur c'est pour les cons. Voilà. Sonja. Non, pas encore. Pas encore. Je dis qu'on fera Mahjong. C'est quoi ? Je vais rendre l'antenne à 21h45. Tant que Zeros fasse ses préparatifs pour le Stream Master System. Comme ça, moi je ne déflore pas l'intrigue pour vous. Je continuerai moi à jouer tout seul de mon côté. Sur la grosse télé. Donc on va sauvegarder. Là, on sauvegarde. On va se faire un petit Mahjong. Le Mahjong qui va être... par là. Là, on passe... Hop là. Un Mahjong ou un petit jeu d'arcade? On va juste traîner dans la salle sans lancer... Hop, ouais. Alors, on va se balader un peu. On va traîner un peu dans la salle. Sega. Il n'y en a pas en vrai hein, à cet endroit là. Ah, on va se promener. Un peu de tourisme, on va se promener. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Alors, qu'est-ce qu'on a là? En machine à pince. Ouais, les mêmes joueurs que la dernière fois. Hein. Qu'on a là. Ça c'est mocheté là. Aïe, Onomochio. Ah, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Alors, on a Motor Red. Je crois qu'à l'étage, il y a des fléchettes. Hein. Je me trompe pas. Non, c'est de l'arcade. Rangon. Motor Red à nouveau, Space Harrier, les fameuses fléchettes.
Allez, on va se faire un petit rangon. Je suis assez nul, ça va aller vite. Allez. Ah d'accord. Comme ça. Les beginner. Leur spin dash ça. Non, il n'y a pas Sagar Ali. Le jeu le plus récent, c'est Hyper Red, à moins que Sonic Fighter c'est sorti. Non, bah non. Pour l'instant, c'est VF5 Final Showdown. Hein. Pour en faire un petit coup d'ailleurs, tiens. C'est un bon Jackie. Ah turbo c'est vrai j'ai oublié le turbo. Ah voilà. J'ai oublié le turbo. Merci de me le rappeler. Ah encore le toucan. Voilà, je suis nul. J'ai oublié le turbo. Même pas de high score, c'est nul. Il y a une autre salle d'arcade. On va descendre. De toute façon, vers le Mahjong, il y a une autre salle d'arcade. On va aller la voir. IPA. Gagner un petit. pas de fléchettes, hein, on s'en fout des fléchettes. Ah. Catanex par là. Ah ça, on a déjà indiqué sur la carte les Catanex. Ah c'est cool. Pas la peine d'acheter un objet pour opérer les mecs et tout. Alors qu'est-ce que... Où est-ce qu'on a Yoshinoya? Le cinéma. Alors, les vrais endroits. Bonne soirée, Dom. Alors, ici, là, en vrai. Ce bâtiment-là. Un vrai Kamurocho. Kabukicho. Et le cinéma Toei. Et ici, en fait, c'est tout. Hôtel et cinéma. Et il y a la tête de Godzilla par-dessus. Voilà. Et là-bas, j'avais vu Independence Day, Résurgence, et c'était bien nul. Donc le karaoké, mais on va y aller parce que notre comédien préféré ne chante pas. Hein, il est au-dessus, apparemment. Qu'est-ce qui existe encore hein? Facilement. Bon, évidemment, il y a la porte. Hein. La porte au bout. C'est pas là. Pas là, c'est pas là, c'est pas là. Mais... What the... Ah, ici avant, il y avait le... Mini-spoil. Le Yakuza 7. Mini-mini-spoil. Ici avant, il y avait un Don Quichotte. Maintenant, c'est le commissariat de Kamurocho. On n'a pas la musique de Don Quichotte. C'est bien dommage.
Et ça, ça ressemble à une enseigne existante de Pachinko. Du coup, je suis contrariée parce que... Ah si, voilà, la fameuse porte d'entrée. Mais je voulais vous montrer aussi... On n'a pas accès au métro souterrain, normalement. J'ai accès à Yakuza 4. Je vais me balader encore un petit peu. Je retrouve, hein, je sais pas, le marché, sushi, cuisine, popo, hein, les cons. Là, c'est Pink Street, je crois. Quartier un peu. Hein. Enfin, la rue chaude de Kamurocho. Autre chose, voilà. Donc en fait, ce qu'on ramasse, le loot qu'on ramasse dans le quartier des prostituées, c'est évidemment des caoutchoucs extensifs. Je voulais vous montrer, faut que je me perde. Voilà. La tour Millennium, hein, évidemment. Celle au sommet de laquelle termine les Yakuza, donc un combat d'hommes torse nu qui explose. Et donc cet endroit là, vraiment assez proche de la réalité, puisque ici là, à ma gauche, hein, c'est une série de... Ah, il y a des vélos, on va garer. On voit une enseigne, normalement d'ici on voit une enseigne I love Kamurocho, en face, Kabukicho, ah pardon. Et notamment ce bar là existe à peu de choses près. Il y a un bar qui ressemble ici. Et il y a un bâtiment avec un escalier qui ressemble. Et le grand parking, là, avec les pubs pour les host clubs. Hein. Pareil. Je crois qu'il existe. C'est pas tout à fait fidèle à la réalité, mais il y a quand même des plus emblématiques, hein, qui ressemblent. Et donc j'ai dit que j'irais faire un tour à la salle d'arcade Sega et plus bas, on ne peut pas y aller. Oui, évidemment. Alors la salle d'arcade... Ah, Yoshinoya. Ah d'accord, ils ont remplacé. Ok. Avant il y avait une boutique générique de Gyudon et, qui était là. Il n'y avait pas de nom, enfin qui avait un nom. Un parc inventé, j'ai oublié son nom d'ailleurs, et maintenant c'est, ils ont la licence, donc c'est Yoshinoya. Donc on va se manger un petit bol de riz, bon pour le moral. Ah, j'ai pas le droit, ma santé automax, tant pis. Je peux picoler, même pas. Pas de picole, et pas tant pis. ありがとうございました. Tant pis, tant pis. Je vais aller à la salle d'arcade. Non, non, voilà. Écoutez, on est japonais, les gars, on est sérieux. Pas d'obésité, on mange que si on a faim. Et pas entre les repas. Non, la salle d'arcade est là. Dans la rue d'après. Par contre, on peut boire sans jusqu'à plus soif. Hein. On peut picoler, mais pas. Et pas manger. C'est nouveau ça. Ah, cool. Il a perdu son objet. Il a perdu l'objet. Comme dirait Barbe Blanche de One Piece. Qui l'infirmière disait, monsieur, vous avez beaucoup trop bu. Vous devriez arrêter, vous avez beaucoup trop bu. Il répond, baliverne. Si j'avais trop bu, je n'aurais plus soif. La cocotte. Ah non. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah ben voilà. Fighting Vipers.
Il peut boire tout le temps. Il n'y a pas de règle. Entre les repas, pendant les repas. Sonic Fighters, Fantasy Zone. Et VF5. Allez, un petit VF5. Bien sûr qu'on va jouer. Oh, on n'est pas des bêtes, hein. Alors, mon petit Jackie, où est-ce qu'il est ? Il est là. Notez que c'est en japonais dans le texte. Il n'y a pas de... La Guinness, c'est un repas, c'est ça ? Allez. Ah mince, attends, j'aime pas le... Allez, ça dégage. Fantasy Zone, vraiment ? Allez, ok. Il y a quelques combats et Fantasy Zone, on enchaîne après. Ah, faut... pas vite plus, ça. Ah, j'ai pas mes touches. Ah, la vache. Pas les bonnes touches, c'est pas les bonnes touches. C'est la garde sur... C'est logique, c'est la garde sur X. Pas les bons réflexes. Allez, c'est pas... Ma petite sœurette. Ah, les pieds marchent nickel. Bah, tout le mode quest de VF5 avec ce coup de pied. Je relance d'ailleurs VF5 US, ça a un peu de temps que j'ai pas joué. Alors que je paye le PS Plus pour ce jeu. Un peu dommage. Allez, bim, dégage! Excellent. Je pense que j'ai tant facile. Ah mais je connais la Guinness. J'habitais à Lyon, j'allais dans un pub irlandais où on en buvait avec les collègues de bureau. J'aime pas trop ça. Mais après une pinte, ça passe. T'as le palais qui est tout qui est pavé. Donc, Ah putain. Bouton. Écoute, ça va. Vas-y, redémarre ton PC. Ça passe bientôt la main. Allez. Trop facile. Moving in slow motion. On peut pas s'attarder non plus sur VF5. Classique, hein. Ouf. Franchement, je pense que je suis en face. Il n'y a aucune résistance. Oula. Bien joué, mec. Allez, next. Qu'est-ce qu'il est bon, ce jeu. Toujours aussi bon, en fait. Même 10 ans. 10 ans après. 15 ans après. 15 ans après, quel bonheur, hein. Ready, go!
Pop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 
Donc je vais sortir de là. Et on va se quitter là-dessus. Voilà, pas mal comme ça. Et donc voilà, mais écoutez, merci à tous d'être passés. C'était Lost Judgment sur Xbox Series X, découverte complète. Donc on a joué une heure et demie, une bonne heure et demie. Donc on a rien défloré de l'intrigue. Je vais pouvoir du coup m'atteler au test du jeu. Sortira, ben quand il sortira, parce que voilà, quand on a le jeu en même temps que tout, que la sortie, donc on fait ce qu'on peut. Mais bon, je suis pas trop inquiète, hein, ça devrait être bien. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Zeros qui va jouer à des jeux Master System et des jeux de sport, hein, que j'ai bien suivi, à partir de 22h. Donc restez connectés. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver. Je vais essayer demain. Demain pour un stream rétro, mais pas Mega Drive. On va essayer de faire un tie-in, comme disaient les jeunes, avec la case rétro. Notamment le dernier podcast de la case rétro auquel j'ai participé en tant que chroniqueuse de l'équipe, mon premier podcast. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Si vous l'avez écouté, vous savez certainement de quel jeu on va parler demain. Et donc pour ceux qui s'en vont, à passer une bonne soirée, prenez soin de vous, vous ne crevez pas trop au travail, hein, ça ne vaut pas la peine. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye. Hop, un petit truc.